Boursier Autosport vous présente aujourd'hui ce Porsche Macan GTS de décembre 2017. Véhicule équipé d'un V6 3 litres biturbo qui développe 360 chevaux avec un couple de 500 Nm. Moteur qui est accouplé à la boîte PDK double embrayage 7 rapports. Donc c'est une voiture qui est d'origine française, qui affiche 65 000 km au compteur. Et comme souvent sur cette gamme de véhicules, on a une auto qui est très très bien équipée, avec notamment la caméra à 360 degrés, les nouvelles générations d'optiques. Le volant sport deuxième génération avec les multifonctions, le toit panoramique. On a le pack Bose, on va retrouver les sièges électriques mémorisables et chauffants. Le pack chrono avec associé évidemment le mode sport plus, le PASM avec deux modes de suspension, l'échappement à valve déconnectable, le PSE. On retrouve bien sûr le régulateur de vitesse, on a également le volant chauffant, les feux automatiques, la nouvelle génération également d'autoradio. Avec, comme toujours sur le Macan, le petit écran numérique sur la droite du combiné d'instruments qui permet d'afficher toutes sortes d'informations, y compris la map, évidemment. Et dès qu'on active l'échappement sport et le mode sport plus, on entend le régime moteur qui augmente. Le son qui devient un petit peu plus rauque. Sur le Macan, c'est une habitude, on a le haillon automatique. Voilà, l'intérieur est globalement en très bon état. Hein. C'est vrai que le toit panoramique permet vraiment d'amener de la luminosité dans cet habitacle. C'est très très agréable. Et toit panoramique ouvrant bien sûr, mais également on a la possibilité de l'occulter avec un store électrique. Qui va recouvrir l'intégralité du pavillon. Et à l'inverse, bien sûr, la partie toit ouvrant. Voilà, donc c'est vrai qu'avec sa gamme d'options très complète, on a affaire à un véhicule qui est vraiment raffiné, multitâche, véhicule plaisir, véhicule de tous les jours, véhicule pour partir en vacances. Et donc à retrouver dès aujourd'hui sur le site Boursier Autosport et sur notre parc.